Saveur anglophone. Saveur anglophone. Vos titres anglais traduits en français. Et aujourd'hui, je vous propose un dîner aux chandelles avec le morceau Chasing You de Bethel Music. Alors pourquoi un dîner aux chandelles ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui on a affaire à une chanson d'amour. Et pas juste un petit peu comme ça, hein. Non, je vous parle du vrai amour romantique. Celui qui vous empêche de dormir et tout et tout. Donc vous tenez la chandelle et je vous explique les paroles en français. Tout a commencé un soir d'été dans un pays lointain. La belle Jane Johnson et ses cheveux dorés prit sa plume et commença à écrire une mélodie. Les notes s'envolèrent alors jusqu'aux cieux. Stop ! Avant, il faut placer dans le contexte. C'est un morceau inspiré du Cantique des Cantiques, je précise pour les non-initiés, c'est un livre de la Bible assez mystérieux et poétique qui nous parle de la relation d'amour entre un homme et une femme. On y trouve des versets assez particuliers. On peut y voir aussi dans ce livre une allégorie entre Christ et l'Église, à la recherche, à la poursuite de l'amour de Dieu. Et c'est cet aspect-là que Jane Johnson a voulu exprimer dans Chasing You. Mais quelle voix ! Bref, les couplets nous imagent comme une partie de cache-cache entre deux amoureux. Tu te caches, je veux te trouver, va et je te suivrai, je veux être là où tu es. Je suis à côté de toi quand tu bouges, amour, je cours après toi. Vous visualisez la scène, un film américain, plan au ralenti, des sourires, un coucher de soleil, bref, tout y est. Et là arrive le refrain. Je te cherche, je suis tellement amoureuse, captivée, j'en veux plus. Je passerai ma vie à courir après ton amour. Bon, là ça devient limite gênant. Vous tenez toujours la chandelle ? J'habitais moi-même chez des fiancés avant leur mariage et je peux comprendre ce que vous ressentez à ce moment-là. Bref, passons au pont. Cette vie, cet amour a toujours signifié une aventure folle et sauvage. La découverte, le frisson, la ruée, plus je te vois, plus je te veux, tu es tout. En conclusion, je reprendrai les mots de l'auteur dans une interview. Quand vous êtes marié, vous recherchez toujours le cœur de votre conjoint. C'est pareil avec Dieu, il nous poursuit et nous le poursuivons. Jane Johnson nous invite ainsi par ce morceau à vivre un amour ardent pour Dieu. Comme une relation amoureuse, ça peut paraître étrange, mais comme je vous l'ai dit, le Cantique des Cantiques, c'est particulier. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, là ça devient un peu bizarre.